Bonsoir à tout le monde. Soleil d'Espagne, quelle belle façon, n'est-ce pas, de terminer ce mois d'octobre qui fut, il faut bien le reconnaître, particulièrement agréable, du moins jusqu'à ce soir. Ce concert dédié à la musique hispanique vous permettra de faire de belles découvertes ou encore d'entendre des airs que vous connaissez déjà et même que vous fredonnez à l'occasion. Certaines des pièces inscrites au programme ayant plusieurs mouvements, nous vous prions de garder vos applaudissements pour la fin. Ceci vous permettra de bien vivre chacune d'elles dans son ensemble. La première pièce, Caprice espagnole, est une œuvre orchestrale de Nikolaï Rimsky-Korsakov, composée en 1887 et construite sur des mélodies espagnoles. Le compositeur a beaucoup voyagé entre 1862 et 1865, et cela en tant qu'officier de la marine russe, et il a notamment séjourné à Cadix, en Espagne. Cette pièce se décline en quatre mouvements. L'alborada est une danse festive enjouée qui célèbre le lever du soleil, suivie de variazioni, ou si vous préférez, variation, puis de Cena y canto gitano, est une danse à trois temps qui mène au final, et enfin Fandango asturiano est une danse énergique des Asturies, région du nord de l'Espagne. La pièce se termine sur une citation plus énergique et enivrante que jamais du thème de l'alborada. Thank you.
L'opéra Carmen est écrit sur le thème d'un drame d'amour romantique, passionné, tragique et fatal entre Carmen, une jeune et très belle gitane, cigarière de la manufacture des tabacs de Séville, et Don José, jeune et séduisant caporal brigadier des dragons, chargé de surveiller la dite manufacture. Notre interprète invité de ce soir a chanté notamment avec le chœur professionnel Vocalis, le chœur d'Aveluy et avec le chœur de l'École de musique de l'Université de Sherbrooke. La voici dans le rôle de Carmen. Accueillons Myriam Filion et L'amour est un oiseau rebelle. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut
C'est un grand bonheur pour la Sinfonietta d'accueillir ce soir le Quatuor Esca. Fondé en 2004, ce Quatuor a à son actif plusieurs enregistrements et participations à des émissions comme Star Academy, Belle et Bonne pour l'émission spéciale consacrée à Diane Dufresne, En direct de l'univers pour l'émission avec Céline Dion. Le Quatuor a aussi accompagné dans ses tournées Cœur de pirate, tournée qu'il a conduit notamment à Paris et à La Rochelle. Il a fait de même avec Jean-Pierre Ferland pour sa tournée intitulée « Les femmes de ma vie »,« Les sœurs Boulay » et bien d'autres. Et c'est sans compter sa participation au spectacle de la Fête nationale de 2020, à la trame sonore et au tournage de la série K.O., diffusée présentement à TVA, ainsi qu'à l'élaboration de différentes capsules vidéo. La prestation du Quatuor se déroulera en deux temps. D'abord, une composition de 7 chansons populaires espagnoles, lesquelles forment un cycle de mélodies écrites à l'origine pour voix et piano par Manuel de Falla. Les arrangements sont imprégnés du folklore espagnol et les textes traitent d'amour, de passion, de séduction, que ce soit de façon ludique, sérieuse ou tragique. Cette composition est la plus populaire de Manuel de Falla, en plus d'être la plus arrangée. Pour cette soirée où l'Espagne brille, le Quatuor Esca vous offre la version pour quatuor à cordes arrangée par François Vallière, où règne richesse harmonique et accompagnement rythmique enflammé. Nous écoutons ce soir 6 des 7 chansons. Suivra un grand classique de Carlos Gardel, chanteur, compositeur et acteur considéré comme la figure la plus importante du tango de la première moitié du 20e siècle. Le tango, pour Una Cabeza, a été écrit et composé pour le thème du film Tango Bar en 1935. La pièce demeure l'un des tangos les plus connus, ayant été popularisé dans l'emblématique scène du film Parfum de femme, mettant en vedette Al Pacino. Accueillons maintenant le Quatuor Esca. Thank you.
Thank you.
Poursuivons maintenant notre concert avec La Paloma, la colombe en espagnol, une chanson composée vers 1863 par le compositeur espagnol Sébastien Iradier après une visite à Cuba, alors colonie espagnole, et où il a entendu le rythme caractéristique de la habanera. Thank you.
notre dernière pièce au programme, et oui, c'est déjà la fin, El Relicario de José Pandila Sanchez est une des pièces les plus populaires et appréciées dans le style paso doble. Cette marche espagnole accompagne traditionnellement l'entrée des participants en arène. Cette pièce fut jouée en grande première au Teatro El Dorado de Barcelone en 1914. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous laisse en compagnie de nos musiciens. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, aussi nombreux. Ça nous fait tellement plaisir de jouer pour vous. Merci. Merci beaucoup. Merci évidemment à tous les musiciens, aux miens. Quand je dis les miens, c'est la Sinfonietta, mais aussi au Quatuor, qui sont pas les miennes, mais qu'on apprécie beaucoup qu'ils soient avec nous ce soir. Alors, merci beaucoup, nos invités. Merci beaucoup, Myriam. Merci, le conseil d'administration, toute l'équipe de bénévoles qui vous a accueillis ce soir. On commence notre 21e année. Pour ceux pour qui c'est votre première fois à notre concert, ben manquez pas les 20 prochaines années. Alors, on vous laisse sur un petit rappel ensoleillé et bien rythmé. Merci et bonne soirée.